Armstrong. Que Elden Ring ait deux DLC immenses. Fait penser à Sekiro, frère. Total, là, dans les montagnes et tout, rien. Les compenses se tapent toujours au Japon, toujours à Kyoto. Excusez-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, tape un petit like, un petit abonnement si tu veux voir toutes mes aventures. On va aller dans un des plus beaux temples de Kyoto et on va y aller en kimono, en habit traditionnel japonais. Ça va être marrant, les amis. Let's go. Salut. Pourquoi je dis salut? Let's go. Tiens, grand crin. C'est bien ça. Faut que j'essaye. J'aime bien les vagues et le poisson. Ouais. Les gars, c'est bon, on s'est habillé en kimono. On est 6 à être habillés comme ça. Regardez. Attends, je vais vous les montrer de front. Le problème, c'est qu'on porte ça là. On peut pas. Je fais des petits pas. En fait, tu fais des petits pas et on est censé monter au temple tout en haut là. Je vous mets une flèche pour vous voyez où c'est. C'est loin, c'est loin. Déjà, on a mis une heure à tous s'habiller, 1h20. Et maintenant, on va monter 2 heures comme ça sous la chaleur 33 degrés. J'ai une veste sur moi. Je vais vous montrer mon drip juste après. Regardez-moi comment ils sont beaux gosses. On craint. Hein. Oh, d'accord. Regardez les gars. C'est qui le plus beau gosse? C'est moi, hein? Ce qui est sympa avec ces tenues, c'est qu'on a des poches dans les manches, comme ça. Donc là, en fait, dans cette manche, j'ai mon phone. Grave stylé. C'est franchement, c'est grave stylé au kimono. Par contre, c'est pas du tout pratique. C'est, tu marches comme un pingouin. T'as très chaud l'été, là je suis en sueur. Je suis en sueur totale. Ok les gars, on arrive au temple. Je vous jure, on a dû faire 500 mètres. On est tous en sueur. À quoi bon? Je te jure, à quoi bon? C'est bon. Il n'y a pas que ça, hein, bien entendu. Ça, c'est le premier. Et il y en a partout. Il y en a partout. Encore d'autres temples, les gars. Putain, on se demande comment ça tient debout, presque. Hein, bref. Je parle à mon auditoire, chon. Il y a de quoi faire de la photo Instagram, les gars. Hein. Franchement, le Japon, il n'y a pas mieux pour remplir son sa photothèque. C'est la vitesse maximale où je peux aller. Hein. Voilà, tu fais des pas comme ça quand t'es en kimono. La misère, con. Mais c'est pas grave. Oh, vous voyez ce que je vois? Non, vous voyez pas? Il y a des petits jets d'eau pour se rafraîchir. Il y a les mises en scène qu'ils font. Tard les mises en scène. Bon, j'avoue, je vais faire pareil. Hein. Ah, oh, oh, putain, waouh. Regardez cette forêt au fond. Magnifique. C'est magnifique. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a des jets pour se rafraîchir. Regardez, il y a marqué. Jets pour se rafraîchir. Allez. Oh, j'ai un plan de bâtard, là, regarde. Yeah. Ça faisait pas grave un film romantique là ou un truc comme ça, arrêtez maintenant. On recommence. Slap du futur, mais une musique qui va bien avec ce que je fais. Encore des temples de partout. Ah oui, alors c'est peut-être le moment de vous raconter Kyoto. Kyoto, c'est l'ancienne capitale et c'est la ville avec le plus de temples anciens. Enfin, peut-être que je révise avant de faire mes vlogs. Hein. Pff, slap, fais un effort, quoi. Alors, ce qu'il y a devant moi, c'est des chaussures, les gars. Ce sont des chaussures en fer. What is this? For practice, I think. For practice? Uh-huh. Practice what? It's crazy. It's heavy, you can try the whole lift it up. Okay. Donc maintenant on va voir si slap est fort. Il faut soulever ça. Armstrong. You use it. I can do that. Yeah.
Yeah. Of course. Easy. Not easy. Attention, essaye. À demain, demain. Demain, vas-y. Fort. Hein. Lève, lève. Allez. Come on. Pas si simple, les gars. Elden Ring is the best video game out. Fermé avec son Elden Ring. Il y a un truc traditionnel à faire, mais vu que je suis un compte français, je sais pas trop quoi faire. Ah. Ok. Bon, personne m'a dit ce que je devais faire, donc je vais passer juste. Je fais un vœu ? On peut dedans. Ah oui, mais pour le vœu, il faut lancer de l'argent. Voilà, c'est tu réalises ton vœu, mais tu lances l'argent par contre. Voilà, vous voyez, il faut donner de l'argent. Ah. Bon, c'est mon tour, les gars. Que Elden Ring et deux DLC immenses. Bref, je vous ai dit, c'est un site très touristique. Et là, tous les gens que vous voyez, ce n'est que des Japonais. Imaginez-vous quand il n'y avait pas de Covid. C'est ça x 3. Un délire. Un délire. Ça devait être rempli, mon gars, mais comme jamais. Ce qui est beau au Japon, c'est qu'ils ont gardé leur forêt. Pas comme une certaine Chine, que j'ai beaucoup aimé, hein, mais la nature a été gravement endommagée. Hein. Allez, c'est parti. Vous savez, ça me fait penser à quoi ? Je viens de capter, ça me fait penser à quoi ce pays ? Mais qu'est-ce que je suis con ? Ça fait penser à Sekiro, frère, total. Là, dans les montagnes et tout, rien. Là, je me vois avec mon crapaud et tout. Vous n'avez jamais joué à Sekiro, joué à Sekiro. Et bref, quand tu vas parler au sculpteur dans Sekiro, il te sort toujours « Oh, Kamiho ». À chaque fois, tu appuies sur A ou X et tu lui parles « Oh, Kamiho ». Ouais, c'est un vlog avec anecdote from software. C'est ma spécialité. Allez, c'est parti. Ah voilà, c'est ce que je me rappelais ce que je voulais dire, au lieu de mes conneries de From Software. Bref, le Japon, c'est vraiment le parfait mélange entre tradition et un autre truc, là, et technologie. Hop, la ville, là-bas, tout au fond, c'est plein la ville de Kyoto, et là, bam. Voilà, c'était Slap qui essaie de trouver ses mots. Ok, on va faire une course, là. Oh, oh. On va faire une course. Le premier en bas, là. Tu es prêt, Chouin? Tu dis 1, 2, 3, et on fait une course. En français chinois. On fait une course comme ça, c'est dangereux. Je sais. Chaud. I should be try. I'm filming. 你说一二三四，一二三，一二三。是 trop fort, c'est trop chaud, gros. C'est trop chaud, ils ont cru quoi, gros? Ils ont cru quoi? Emma, je les ken. Ah, ils essayent, hein, ils essayent. Hein. I'm too fast, baby, too fast. I'm winning, bro. Always winning, bro. Oh my god. Ah, yeah. Ah. Oh. Ah, les pieds, ça pique. Oh. Chaud. Oh. Oh, ça déboîte les pieds, gros. Oh. Oh, comment j'ai mal. Là, au milieu, là.
Oh. Voilà, je voulais montrer un petit détail. J'aime bien les petits détails qui montrent à quel point la société japonaise est assez différente des autres. Vous voyez toutes ces herbes là, les petites herbes là, juste en face des bambous. Et bien ce monsieur, il est en train d'enlever chaque herbe à la main. Vous voyez cette notion du détail au Japon? C'est fou. C'est fou. C'est en France, mec. Ah ouais, tiens. Là, toute cette queue-là, c'est pour la bonne fortune, la chance et l'argent. Comme d'habitude. L'Algérie. On va se faire toutes les boutiques, les gars. Vas-y, comme si vous y étiez. Comme si vous regardiez ma place. Allez, hop. Boutique de souvenirs. Ah, ça, je sais que vous aimez ça. Ça, je sais que vous aimez les petits siens. Hein, les petits siens japonais, hein? Hein? Ça, c'est Demon Slayer, je crois. Jamais regardé. Hello. Voilà, une boutique de souvenirs un peu... Comme il y en a partout. Comme il y en a partout. Qu'est-ce que c'est là? Alors ça, c'est des glaces, on en a mangé à tout à l'heure. J'en ai mangé... Il y a un chemin. J'ai mangé des glaces comme ça tout à l'heure. Ah, c'est pas vraiment des glaces, hein, c'est là à gauche. Là. C'est pas vraiment des glaces, mais c'est... Bah, je sais pas trop. Vous savez mieux que moi, les gars. Encore boutique de souvenirs. On se croirait, en fait, voilà, ça me fait penser. C'est le Montmartre japonais. Enfin, en tout cas de Kyoto. C'est plein de petites rues avec des boutiques, etc. Remplies de trucs à attrape touristes. Voilà, genre de délire. Partout. Que ça. Il y a que ça. Tout ça, je vous fais vivre un petit peu avec moi mes aventures au Japon. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo assez chill. Hein. Vous imaginez bien que j'allais pas faire des dingueries partout, sauter partout comme un abruti. Ça, on fera ça bientôt, les gars. Vous inquiétez pas. Il y a des vidéos de prévues. Moi, avec un katana qui va couper v'là les bambous. Des infos sur Ghost of Tsushima 2. Parce que j'en ai, les gars, j'en ai. Il y a un type qu'on va rejoindre sûrement dans le sud du Japon qui est en train de filmer des trucs pour Ghost of Tsushima, si j'ai bien compris. Donc le 2 est bien entendu, en train de se faire, tout simplement. Et nous, on va y aller, hein, tout simplement aussi. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Hello. I don't speak Japanese. I'm just a tourist. Yeah, yeah. I like this one. Yeah. I'm with a group full of people like this. But it's very hot. Oh, it's beautiful. Oh, thank you. Is it a rental? Yeah. Wait, where are you from? I'm from France. From France. Exactly, my accent, right? But I'm half Chinese as well. I'm half Chinese, but you don't see it at all. Chinese? Yeah, idiot. Idiot, idiot, idiot. You don't speak Chinese, right? No. Where are you from, guys? I'm Sweden. From Syria. Uh-huh. I'm from Germany. Sweden. So you all from school, I guess, no? Yes. Yeah. Exchange student. Oh, nice. So you're here for study? We finished, actually, so we are on our vacation. Oh, you're so right. I wish I could, but I never finish my class, my, how do you say? Yeah, I've been kicked out, you know. I'm a bad person. Yeah. Have a great day in Japan. Thank you. Yeah, you too. Goodbye. Thank you. Ouais, bah, je viens de rencontrer des gens, écoute. Ils ont dit que mon kimono était stylé. C'est vrai ou pas? Ah, hey, attends, j'ai plus que 2%. Donc si c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de la vidéo. Je me mets comment? Regarde comment je suis drippé, frère. Tu m'étonnes, gros. Tu m'étonnes, frère. J'ai le kimono le plus stylé.
D'accord. Les gens me regardent comme un n'importe quoi. Je parle tout seul, frère. Je suis en kimono. Ça, c'est pour vous, les gars. Ouais, j'ai plus que 2%. 1%, 1%. Donc, je vous dis à très bientôt. C'est une vidéo assez chill, hein, tranquille. Voilà, je sais plus quoi dire. Hey, c'est pas simple de vlogger. Ouais, on dit, ah, vlogger, tu sors ton phone, tu sais. Mais frère, faut des trucs à dire. Faut aller voir des endroits intéressants. Faut pas juste montrer, marcher. Il faut être quelqu'un d'intéressant, je te jure. Ah bah regarde, tu veux du contenu intéressant? Du contenu japonais? Là, t'es au Japon avec moi, ma gueule. T'es au Japon avec moi, ma gueule. C'est grave stylé, le Japon, quand même. J'y allais avec pas forcément de grandes attentes énormes. Et franchement... Je suis très heureux parce que c'est grave stylé. Attends, je vais filmer comment ça plutôt. C'est grave stylé. C'est grave stylé le Japon. Il n'y a aucune poubelle dehors et il n'y a aucun déchet par terre. Tiens, on se dirait totalement le contraire, tu vois. En fait, c'est ça le truc. Ça fait 2 jours là, je suis là. Ça fait que 2 jours. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est le civisme des gens. Les gens sont civilisés de ouf. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, des gens civilisés, mec. Je viens de Paris, je suis un Parisien. C'est gros, c'est les gens... C'est... Bon, je vais arrêter de cracher sur la France. J'adore la France, les gars, vive la France. Mais qu'est-ce que c'est bon, le civisme, ma gueule. Vive le civisme. Voilà, ça vend v'là des glaces comme ça, au matcha. Je trouve ça pas bon. Voilà, tout simplement, je veux dire, je trouve ça pas bon. Voilà, c'était ma petite critique sur le Japon, les matcha. Bref, ça commence à faire une longue vidéo. Mais c'est pas grave, les gars, on se fait plaisir. Pour une fois que je suis à l'étranger, ça fait 3 ans que je n'ai pas voyagé. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas du tout voyagé, ne sont jamais sortis d'Europe. Donc pourquoi pas prendre son temps, c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos plus courtes, vous inquiétez pas. Là, on kiffe, juste on kiffe, les gars, on kiffe. Le petit kiff, ça m'a l'air d'être la fin de la rue. Et donc, la fin de cette vidéo, les gars, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager. Alors, là, franchement, il y a des gens qui partagent la vidéo. Alors là, vous êtes les best, les gars. Mais likez, si vous ne partagez pas, likez, ça m'aide beaucoup. Aide à l'algorithme. Et comme vous le voyez, je faisais du gaming avant. Et j'essaie de changer. Donc, c'est pas simple, les gars. C'est, voilà, je sors de ma zone de confort. Et donc, tout ça pour vous dire de dropper un like, bordel. Allez les gars, j'ai encore plein de trucs à vous filmer. Je vais sûrement sortir ce soir parce que j'ai voulu sortir hier soir, j'ai pas réussi. Et je m'arrête jamais de parler, hein. Je suis une pipelette. Hein. Je suis un bon vlogueur en fait, je suis une pipelette. Hein. Je vais peut-être sortir en boîte de la night ce soir parce que c'est mon dernier soir à Kyoto. Et Kyoto est une très belle ville qu'il faut absolument que j'en profite. Et je vais vous laisser sur, je ne sais pas, une petite ruelle que je viens de voir qui est magnifique. Et j'ai 1% depuis 10 minutes, hein, mais vous connaissez, c'est comme l'iPhone. Bam, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, juste pour toi. Juste pour toi. Bon. Qu'est-ce que c'est stylé. Voilà, Kyoto, c'est la ville où il y a le plus de trucs traditionnels. Les gars, salut.